Dieu révèle la présence d'une personne fausse qui cause de grands dommages dans votre vie. Cette intervention divine vise à vous éloigner des problèmes imminents. Dieu a perçu votre tristesse et votre angoisse causées par certaines personnes qui ont volé votre paix intérieure, entraînant le chaos et une instabilité totale. Aujourd'hui, Dieu indique qu'une personne proche de vous interprète incorrectement vos intentions, influencée par une autre personne. Cette personne doute de vous et essaie de rompre définitivement le lien entre vous deux. Récemment, votre relation a été marquée par une distance émotionnelle, de la froideur et de l'isolement. Vous pouvez exprimer votre connexion avec la conscience divine en tapant « Ma force vient de Dieu » dans les commentaires. Ces derniers mois, cette personne a été remarquablement absente, évitant les rencontres en personne et inventant des excuses. Les interactions avec vous ont diminué, manquant d'attention et devenant de plus en plus distantes chaque jour qui passe. La connexion harmonieuse entre vous a commencé à s'effondrer avec l'entrée de cette femme dans votre vie, empoisonnant l'esprit de la personne proche de vous avec des théories infondées, semant simplement le doute, l'insécurité et la colère. Si vous croyez en la force de votre foi, écrivez « Ma force vient de Dieu » dans les commentaires. Cette troisième personne a réussi à éloigner votre partenaire de vous, et de nombreuses idées fausses occupent leur esprit. La présence de cette troisième personne peut sembler être une source de sagesse et de réconfort, renforçant encore la dépendance de votre partenaire. Cependant, votre partenaire reconnaîtra bientôt cette erreur et reviendra rapidement vers vous, restant fermement à vos côtés. L'influence de la troisième personne a délibérément ou involontairement exploité les vulnérabilités, amenant votre partenaire à dépendre davantage de sa perspective que de ses propres instincts. Ils couperont tous les liens avec cette personne, la confrontant sur les mensonges qu'elle a tissés à ton sujet. Cette personne sera définitivement exclue de la vie de ton partenaire, tandis qu'ils s'accrocheront à la conviction que l'amour et la compassion ont le pouvoir de guérir. Si tu crois en cela, partage ce message via WhatsApp avec ceux que tu aimes. Comme dans cette vidéo, Dieu dit fréquemment, « Tu as arrêté de me demander tout ce dont tu as besoin, par peur de ne pas recevoir de réponse. » Je veux que tu saches que je suis heureux de répondre et que je désire exprimer mon amour pour toi. Je veux que tu vois de tes propres yeux mes promesses accomplies et les merveilles se produisant autour de toi. Peu importe si tu m'appelles aux premières heures du matin, car je ne dors ni ne me repose. Je suis toujours vigilant, m'assurant que tu ne manques de rien. N'hésite donc pas à me contacter, car je suis là pour te répondre. Je veux partager de belles et inconnues choses avec toi, te guidant vers de nouvelles perspectives. Mon souhait est que tu te concentres sur notre relation, car je ne veux pas voler ton temps, mais travailler sans relâche pour ton bien. Chaque minute que tu me consacres se traduira par des années de vie et de moments bénis. Je veux raviver ta foi, la transformant en une flamme pour purifier toute impureté, doute ou offense, les transformant en cendres. Les accusations de tes adversaires seront emportées par le vent vers un abîme, et j'espère voir ton cœur rempli de gratitude, entouré de mon amour divin. Je t'encourage à exprimer ta louange en tes propres mots, mon cher enfant. Si tu veux te connecter, écris 5555 minutes de tout mon cœur. Je reconnais mon besoin de toi. Je suis ici parce que tu m'appelles de manière urgente, et je suis prêt à te réconforter et à te donner les réponses que tu cherches. Ta confiance en moi m'enchante énormément. Tu as prié avec ferveur et t'es agenouillé pour invoquer mon nom dans toutes les circonstances de ta vie, réfléchissant sur ton caractère et ta foi solide. Même si je connaissais déjà tes demandes avant même que tu ne les exprimes, j'apprécie tes prières, qui sont comme un encens sacré, un parfum agréable qui me parvient. Ta foi forte et inébranlable me permet de t'aider avec confiance. Tu peux être sûr de recevoir ce que tu as demandé. Les difficultés auxquelles tu et ta famille avez été confrontés deviendront bientôt des choses du passé. Je te donnerai la sagesse pour affronter les défis, et tu grandiras en intelligence. Tu seras capable de discerner les attaques de l'ennemi avant même qu'elles n'arrivent, et avec foi, tu rechercheras les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Je te guiderai vers les personnes que tu as besoin de contacter, même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tu les as vues ou parlé. Je t'envoie comme une bénédiction pour eux, et en même temps, tu seras la réponse à leurs prières. Mais cela est pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. Si tu crois,
écrit 1212 minutes. J'ouvre une porte significative dans ta vie, mais je t'exhorte à garder l'humilité pour que l'orgueil ne t'affecte pas dans le futur. Plonge dans ma parole sacrée pour renforcer encore plus ta foi et ta confiance. Je t'invite à m'écouter chaque matin, ouvrant tes oreilles pour recevoir mes paroles et gardant mes promesses dans ton cœur. Récemment, votre relation a été marquée par une distance émotionnelle, de la froideur et de l'isolement. Si vous souhaitez exprimer votre connexion avec la conscience divine, il vous suffit de taper « Ma force vient de Dieu » dans les commentaires. Ces derniers mois, cette personne a été remarquablement absente, évitant les rencontres en personne et inventant des excuses. Les interactions avec vous ont diminué, perdant de l'attention et devenant de plus en plus distante chaque jour qui passe. Si tu crois en cela, partage ce message via WhatsApp avec ceux que tu aimes. Comme dans cette vidéo, Dieu dit fréquemment, « Tu as arrêté de me demander tout ce dont tu as besoin, par peur de ne pas recevoir de réponse. Je veux que tu saches que je suis heureux de répondre et que je désire exprimer mon amour pour toi. Je veux que tu vois de tes propres yeux mes promesses accomplies et les merveilles se produisant autour de toi. Peu importe si tu m'appelles aux premières heures du matin, car je ne dors ni ne me repose. Je suis toujours vigilant, m'assurant que tu ne manques de rien. N'hésite donc pas à me contacter, car je suis là pour te répondre. Je veux partager de belles et inconnues choses avec toi, te guidant vers de nouvelles perspectives. Mon souhait est que tu te concentres sur notre relation, car je ne veux pas voler ton temps, mais travailler sans relâche pour ton bien. Chaque minute que tu me consacres se traduira par des années de vie et de moments bénis. Je veux raviver ta foi, la transformant en une flamme pour purifier toute impureté, doute ou offense, les transformant en cendre. Les accusations de tes adversaires seront emportées par le vent vers un abîme, et j'espère voir ton cœur rempli de gratitude, entouré de mon amour divin. Je t'encourage à exprimer ta louange en tes propres mots, mon cher enfant. Si tu veux te connecter, écris 5555 minutes de tout mon cœur. Je reconnais mon besoin de toi. Je suis ici parce que tu me chamas de manière urgente, et je suis prêt à te réconforter et à te donner les réponses que tu cherches. Ta confiance en moi m'enchante énormément. Tu as prié avec ferveur et t'es agenouillé pour invoquer mon nom dans toutes les circonstances de ta vie, réfléchissant sur ton caractère et ta foi solide. Même si je connaissais déjà tes demandes avant même que tu ne les exprimes, j'apprécie tes prières, qui sont comme un encens sacré, un parfum agréable qui me parvient. Ta foi forte et inébranlable me permet de t'aider avec confiance. Tu peux être sûr de recevoir ce que tu as demandé. Les difficultés que tu et ta famille avez été confrontées deviendront bientôt des choses du passé. Je te donnerai la sagesse pour affronter les défis, et tu grandiras en intelligence. Tu seras capable de discerner les attaques de l'ennemi avant même qu'elles n'arrivent, et avec foi, tu rechercheras les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Je te guiderai vers les personnes que tu as besoin de contacter, même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tu les as vues ou parlé. Je t'envoie comme une bénédiction pour eux, et en même temps, tu seras la réponse à leurs prières. Mais cela est pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. Si tu crois, écris 1212 minutes. J'ouvre une porte significative dans ta vie, mais je t'exhorte à garder l'humilité pour que l'orgueil ne t'affecte pas dans le futur. Plonge dans ma parole sacrée pour renforcer encore plus ta foi et ta confiance. Je t'invite à m'écouter chaque matin, ouvrant tes oreilles pour recevoir mes paroles et gardant mes promesses dans ton cœur. Récemment, la dynamique de votre relation a été marquée par une croissante distance émotionnelle, froideur et isolement. Si vous souhaitez exprimer votre connexion avec la conscience divine, n'hésitez pas à partager dans les commentaires « Ma force vient de Dieu ». Ces derniers mois, on note l'absence notable de cette personne, qui a évité les rencontres en personne et inventé des excuses. Les interactions entre vous ont diminué, avec un manque d'attention, devenant progressivement plus distante chaque jour qui passe. L'entrée de cette femme dans votre vie a provoqué l'effondrement de la connexion harmonieuse, empoisonnant l'esprit de la personne proche de vous avec des théories infondées, semant le doute, l'insécurité et la colère. Si vous croyez en la force de votre foi, partagez dans les commentaires, ma force vient de Dieu. Elle cherche à rompre la relation, monopolisant l'attention de votre partenaire pour elle-même.
Votre partenaire, initialement inconscient de ses tactiques manipulatrices, s'est progressivement éloigné de vous. Cependant, une transformation est en cours. Dieu illuminera la perception de votre partenaire avec la vérité divine, révélant la façade créée par cette femme et ses tentatives de séparation. Bientôt, votre partenaire mettra fin à cette manipulation avec gratitude. Les expériences passées peuvent rendre votre partenaire sensible aux influences externes, les amenant à chercher des conseils externes pour éviter de répéter des erreurs. La présence de la troisième personne peut sembler une source de sagesse et de réconfort, renforçant encore la dépendance de votre partenaire. Cependant, votre partenaire reconnaîtra bientôt cette erreur et reviendra rapidement vers vous, restant fermement à vos côtés. Le lien sera renforcé, jouant le rôle souhaité dans une relation. L'influence de la troisième personne a exploité les vulnérabilités, amenant votre partenaire à dépendre davantage de sa perspective. Ils couperont les liens avec cette personne, la confrontant sur les mensonges qu'elle a tissés sur vous. Cette personne sera définitivement exclue de la vie de votre partenaire, qui s'accrochera à la conviction que l'amour et la compassion ont le pouvoir de guérir. Si tu crois en cela, partage ce message via WhatsApp avec ceux que tu aimes, comme dans cette vidéo. Dieu dit fréquemment, « Tu as arrêté de me demander tout ce dont tu as besoin, par peur de ne pas recevoir de réponse. Je veux que tu saches que je suis heureux de répondre et que je désire exprimer mon amour pour toi. Je veux que tu vois de tes propres yeux mes promesses accomplies et les merveilles se produisant autour de toi. Peu importe si tu m'appelles aux premières heures du matin, car je ne dors ni ne me repose. Je suis toujours vigilant, m'assurant que tu ne manques de rien. N'hésite donc pas à me contacter, car je suis là pour te répondre. Je veux partager de belles et inconnues choses avec toi, te guidant vers de nouvelles perspectives. Mon souhait est que tu te concentres sur notre relation, car je ne veux pas voler ton temps, mais travailler inconsciemment pour ton bien. Chaque minute que tu me consacres se traduira par des années de vie et de moments bénis. Je veux raviver ta foi, la transformant en une flamme pour purifier toute impureté, doute ou offense, les transformant en cendres. Les accusations de tes adversaires seront emportées par le vent vers un abîme, et j'espère voir ton cœur rempli de gratitude, entouré par mon amour divin. Je t'encourage à exprimer ta louange en tes propres mots, cher fils. Si tu veux te connecter, écris 5555. De tout mon cœur, je reconnais ma nécessité de toi. Je suis ici parce que tu m'appelles avec urgence, et je suis prêt à te réconforter et à te donner les réponses que tu cherches. Ta confiance en moi m'enchante énormément. Tu as prié avec ferveur et t'es agenouillé pour invoquer mon nom dans toutes les circonstances de ta vie, réfléchissant sur ton caractère et ta foi solide. Même si je connaissais déjà tes demandes avant même que tu ne les exprimes, j'apprécie tes prières, qui sont comme un encens sacré, un parfum agréable qui me parvient. Ta foi forte et inébranlable me permet de t'aider avec confiance. Tu peux être sûr de recevoir ce que tu as demandé. Les difficultés auxquelles tu et ta famille avez été confrontés deviendront bientôt des choses du passé. Je te donnerai la sagesse pour affronter les défis, et tu grandiras en intelligence. Tu seras capable de discerner les attaques de l'ennemi avant même qu'elles n'arrivent, et avec foi, tu rechercheras les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Je te guiderai vers les personnes que tu as besoin de contacter, même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tu les as vues ou parlé. Je t'envoie comme une bénédiction pour eux, et en même temps, tu seras la réponse à leurs prières. Mais cela est pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. Si tu crois, écris 1212. J'ouvre une porte significative dans ta vie, mais je t'exhorte à garder l'humilité pour que l'orgueil ne t'affecte pas dans le futur. Plonge dans ma parole sacrée pour renforcer encore plus ta foi et ta confiance. Je t'invite à m'écouter chaque matin, ouvrant tes oreilles pour recevoir mes paroles et gardant mes promesses dans ton cœur. Amour, la prière que tu as prononcée à genoux possède un pouvoir immense. Continue de prier avec ferveur et dévotion. Lorsque tu penseras avoir touché le fond, en réalité, tu atteindras les cieux avec cette belle attitude. Ma main est toujours sur toi, te caressant avec amour. Tout le ciel soutient ta prière sincère. Maintenant, continue ta journée. Mes anges te suivent, et mon amour te protège.
Aie confiance en moi, je t'aime. Dieu déclare, je t'ai donné courage et dignité. N'accepte pas la défaite, ne te replie pas devant le mal. En ce moment inattendu, je sais que je m'adresse directement à toi. Peut-être as-tu pensé que tout était perdu, mais je suis ici pour insuffler du courage, soutenir tes bras et maintenir l'espoir. Je suis venu redresser tes pas, m'assurant que tu prévaudras dans la bataille contre la solitude.